Donc ça c'est ramené dans la Gemara de Mishnah, la Medel et Chamoudbet. C'est ramené là-bas que les Chachamim Ezra a souffert et Temitaken que les Klalot doivent être lus avant Rosh Hashanah. Les Klalot, Parashat Kitavo, Parashat Nitzavim, sont dans les Parashot où sont marqués les Klalot, il faut les lire avant Rosh Hashanah. Pourquoi ? Il dit là-bas, Kede Shitkayem Adava, Tichle Shana Vikilotea, Metachou Shana et Dorkotea, afin que s'applique le. Que l'année se termine avec ses klalot et que l'année commence avec ses brachot. Donc pour ça qu'on lit les klalot, on lit les klalot avant Rosh Hashanah. Bien fait. Maintenant, les Balé Moussa font une remarque. Il dit qu'il y a une paracha, Vayelech, qui est parmi les dernières parachiot, où là-bas, il y a une klala. Il y en a une. Il n'y en a pas plusieurs comme dans Kitavo et dans Bereshit et Nitzavim. Il n'y en a qu'une seule. Banochi Aster Aster Panay. Je vais voiler mon visage de toi. Une klala yoda. Et les fachim, ils disent, cette klala là, elle est beaucoup plus grave et beaucoup plus dure que toutes les klalotes de Kitavo, toutes les klalotes de Berhokotai et toutes les klalotes de Nisavim. C'est toutes les klalotes. Si tu as peur de monter au Sefer Torah, quand il y a klalot, ils ont le dimion. Ils ont le dimion, ils ne veulent pas monter au Sefer Torah quand il y a les klalotes. Ouais. Un conseil d'amis, ouais. Monte au Sefer Torah dans les klalotes de Kitavo, Berhokotai et Nisavim, monte là-bas. Au contraire, c'est une bracha celui qui monte dans les klalotes là-bas. Par contre, méfie-toi de Vayelech. Méfie-toi de la klala de Aster Aster Panay. Pourquoi ? Parce que celle-là, elle est très mauvaise, très mauvaise. C'est la klala la plus dangereuse. Pourquoi c'est la plus dangereuse ? Parce que regardez bien. Il y a le principe. Je vous fais quatre ça. Qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. Tant que ton père, il te donne des tartes, ça prouve qu'il a encore un intérêt avec toi. Ça prouve qu'il a encore l'espoir de pouvoir arriver à quelque chose avec toi. Ça prouve qu'il s'intéresse encore à toi. Et ça prouve qu'il prend encore le temps d'être derrière toi. Ah, c'est vrai que tu te prends des tartes. Mais qui aime bien, châtie bien. Mais là où ça devient dangereux, c'est quand tu te rends compte que quoi ? Que tu mérites d'être châtié, tu mérites d'être puni, mais il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien. Non seulement il ne se passe plus rien, mais a priori, tout va bien. Et c'est là que tu dois te faire du souci. Parce que si, normalement, dans un comportement comme tu as. Bon, alors là, normalement, il devrait te mettre des tartes. Parce que tu sais très bien que ton comportement n'est pas Raoul. Tu fais des choses qu'il ne faut pas. Et que jusqu'à maintenant, par rapport à un comportement pareil, comme a dit la paracha dans les klalot, si tu ne fais pas alors je vous enverrai ça, et ça, et ça, et ça. Alors le bonhomme, s'il voit ça sur la route, effectivement, quand il voit qu'il n'est pas Amel Batola, il voit qu'il est Vatel Imutola, ou qu'il voit qu'il fait des bêtises, ou des chlouottes, il voit les tartes. Qu'est-ce qu'il se dit quelque part ? Il se dit, bon, quelque part, tout va bien. Tout va bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on me secoue. Au contraire, on s'occupe de moi. Et donc là, je vais prendre conscience. Je vais commencer à me dire, bon, il faut faire tchouva, ça suffit. Jusqu'à quand tu vas prendre des tartes comme ça ? Jusqu'à quand tu vas te secouer ? Un homme, il n'a pas, c'est pas un mazo qui se prend des tartes. Combien tu tiens ? Au bout d'un moment, tu te calmes, ça y est, tu t'arrêtes. Là où c'est dangereux, c'est quand on ne me met plus de tartes. Quand on me laisse croire que tout va bien. Quand on me laisse tranquille. Je fais mon bitoul Torah chronique, on ne me dit rien. Je fais ma vie, on ne me dit rien. Je fais mes bêtises, on ne me dit rien. Je suis à la yeshiva, j'ai Sheres Beyado. Ouais, Sheres Beyado, c'est je la touma dans ma main, on ne me dit rien. Je fais ma vie, on ne me dit rien. Je sors le défi, on ne me dit rien. Je mange taref, on ne me dit rien. Je parle la chandala, on ne me dit rien. On ne coupe pas la langue. Et j'ai même pas un aft, même pas un peu mal dedans. Parce que Israël me disait quand on parle la chandala, on a mal dedans. Moi j'ai même pas mal dedans, c'est magnifique. Qu'est-ce qui se dit celui-là ? Il se dit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Comme il dit là, fait la paracha d'envoyer l'air. Aster, Aster Panay. Bon, alors l'âme s'est mis en Esther Panim avec toi. Esther Panim, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Shilech la Azazel, je ne veux plus entendre parler de lui. Il ne m'intéresse plus de bon. Bon, alors l'âme ne s'intéresse plus à toi. Donc il te laisse entre les mains de la nature. C'est-à-dire que là, à partir de là, tu es vu comme un goy qui vit Alpimazal. Alpimazal. Alpimazal, c'est-à-dire, tu veux savoir maintenant qui est-ce qui peut te dire maintenant ce qui va se passer ? C'est pas ta selecha, ta selecha, ta selecha, comment il s'appelle cela là-bas, les sorciers, les voyantes. Ta selecha voyante, vitistalek minasafek. Parce que là-bas, c'est d'une voyante que tu as besoin, c'est pas d'un rave. Parce que là-bas, tu n'es plus dans le malheur d'Hachem. Dans le malheur d'Hachem, tu as besoin d'un rave pour que te dise Yamin Smol. Mais là-bas, tu n'es plus dans le malheur d'Hachem. Donc même ton rave ne peut pas t'aider. Il y a des bonhommes en beauté, ils vont voir les rabbanim. Ils vont les rabbanim pour prendre des brachot. Ouais. Ils roulent le rave.
Parce que le Rav, il les voit venir comme ça avec tellement de respect, tellement de kavod, tellement de choses, qu'il se dit, bon, bracha, baslacha, mechoulem, le bonhomme à côté, barmenan, il sort avec une goya, il mange taref, et il shoot, il fait des ch'touyot, des bêtises à droite, à gauche, mechoulem, il prend la bracha du Rav. Mais en vérité, cette bracha du Rav, c'est pipé, c'est n'importe quoi, c'est des ch'touyot. C'est une voyante que tu faut que tu ailles voir. Une sorcière de Paris là-bas. Donc elle a, qui va te dire ton avenir, et qu'est-ce qu'elle va te dire, c'est ça qui va se réaliser. Plus sûr que le Rav. Plus sûr que le Rav. Mais quoi? Plus sûr que le Rav? Comment ça s'appelle plus sûr que le Rav? Parce que tu es dans un massaf de Esther. Tu es plus dans un massaf de Galouille. Bon, là, on mastire. Donc même le Rav, il ne voit pas. Donc le Rav, quand il te fait une bracha, pourquoi? Parce que le Rav, il est gentil. Parce que le Rav, il a bon cœur. Alors il fait des brachot. Il fait des brachot, même un chien comme toi. Tu es voir rappel, bracha, bracha, siata, jibaya. Parce que le Rav, il aime tout le monde. Qu'est-ce que tu veux? Alors, il te fait une bracha, toi aussi. Mais tu crois qu'une bracha comme ça, elle vaut quelque chose chez toi? Elle vaut rien. Tu dis pourquoi elle vaut rien, Chassou Shalom? Parce que tu es dans un Esther. T'as aussi Averot, t'as aussi Rezon Hachem. Tu fais pas Rezon Hachem. Tu n'es même pas dans un derrière d'examination avec toi-même. Parce qu'attention, alors là, il ne demande pas un bonhomme, Chassou Shalom, comment, il ne demande pas un bonhomme d'être parfait. Hachem sait très bien qu'on n'est pas parfait. Il sait. Hachem, il dit, je ne te demanderai jamais pourquoi le travail n'est pas fini. Jamais je te demanderai ça. Par contre, une chose, je te demande, c'est quoi? C'est pourquoi tu m'as claqué la porte? Pourquoi tu m'as tourné le dos? J'ai pas de problème que tu sois très loin de moi. Très loin. Mais je veux que tu sois en face de moi. Je veux voir ton visage. Même si tu es à 10 millions de kilomètres de moi, mais je veux voir ton visage. Je veux que ton visage soit tourné vers moi. Parce que si ton visage n'est plus tourné vers moi, alors moi aussi je te tourne le dos. Et après, quand tu auras besoin de moi, tu ne vas pas me trouver. C'est ça la bouteille, c'est ça la classe de la serpanée. Alors regardez comme c'est extraordinaire. Tu vas dire, attends, ça fait peur ça. Parce que cette paracha-là, Ezra a souffert bizarrement. Il n'a pas fait une takana qu'elle soit lue avant Rosh Hashanah. Parce que d'après, c'est la takana qu'il a fait, Ezra a souffert. Quelle takana il a fait? Que toutes les klalot, on doit les lire quand? Avant Rosh Hashanah. Donc il a fait attention dans le Seder HaParashiyot qu'elle tombe tout le temps avant Rosh Hashanah. Pourquoi? On répète. C'est comme ça. Kol Sheken, celle-là, il aurait dû faire en sorte qu'elle tombe toujours avant Rosh Hashanah. Bizarrement, celle-là, des fois, elle tombe avant, des fois, elle tombe après. Quand elle tombe après, c'est quand qu'elle tombe? Bah, celle-là, il met Tchouba. Mais elle tombe après Rosh Hashanah. Alors, tu te dis, attends, c'est un problème. Tu es en train de me dire que là-bas, il y a une bombe atomique, que si jamais elle explose, elle laisse pas un survivant. Et celle-là, tu me dis qu'on la met pas avant Rosh Hashanah? Mais c'est celle-là qu'il fallait mettre avant Rosh Hashanah. Comment ça se fait que celle-là, Israël, n'a pas fait de takana? Il répond là-bas, parce que le passou qui suit là-bas te donne la réponse. C'est quoi le passou qui suit ça? Qui suit Anokhi Aristeh Panay? Mais Katvou et Tashira Azot. Et vous écrirez cette chanson. Quelle chanson? Comment on peut chanter les chansons? Quelle chanson? Mazeh Ashira, Zator. Tu écriras la Torah. Makavan. C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est comme ça. Si tu veux savoir quelle est la chose que je te reproche et qui entraîne le Esther Panim, c'est le fait que je vois que tu n'étudies pas la Torah. Je t'allons le mettre. C'est-à-dire que la chaîne n'est pas mastir panim parce que tu fais mal les mitzvot, ou parce que tu ne pries pas Bekavana, ou parce que tu mets zalzel dans les halachot ou dans les dinim. Chose qui est grave, on n'est pas en train de dire que c'est n'importe quoi. C'est grave, tu rendais compte pour tout ça. Mais ça, Hachem, il n'est pas mastir panim pour ça. Pourquoi? Parce que tu as l'homme et toi. Il est encore en face de moi, celui-là. Comme il a dit à Kojboukou. Alvaï oti azavu de torati shamaru. Alvaï que moi il m'abandonne. Que moi il me lâche. Mange plus cachère, mange ta la verroulée. Mais n'abandonne pas ma Torah. Parce que si jamais tu lâches ma Torah, et c'est ça le chidouche, même si tu ne lâches pas mes misvot, d'accord, ça s'appelle que tu m'as lâché. C'est extraordinaire. Il faut comprendre ça. C'est quoi le principe? Avec un bonhomme. On va prendre, sans faire du tour au bas des bâtiments, mais on va prendre un boulot par exemple. Il travaille toute la journée, il est occupé, etc. Et là, il n'a pas étudié, mais par contre, il te raconte. Par contre, j'ai un bon cœur, je fais les misotes, et je donne la zdaka, et j'aide les mosdotes, et j'aide les chivotes, et j'aide les pauvres, et j'aide les calottes, et j'aide les khatanim, et j'aide les hazanim, et les chaliyas, c'est beau. Et tout ça, et tout, j'aide tout le monde, voilà. Et le bonhomme, il fait du bien, il fait des misvot, et je mets bien les filim, et je fais bien la prière, et je fais Ptahiliyahu et Nabi, Zaholetom, et je fais tout comme il faut. C'est l'air.
Et à côté de ça, tu étudies? Non, ça, c'est vrai, la vérité, j'étudie pas. Mais j'ai une raison, j'ai pas le temps. Mais entre nous, sur le rabbin, ouais, c'est important des gens comme moi quand même dans qui l'apprendre, des gens qui sont là pour allonger, pour faire des chèques. Il faut des gens comme moi. Ben non, j'étudie pas, hein. On peut pardonner que je vive. Hein. Ça serait les chorins. Hein. Il n'a pas mis là de penser comme ça. La Torah vient te dire, Aster Panay. C'est-à-dire que Hachem vient te dire, si tu n'étudies pas la Torah, allez, Mastir Panay. Je mastire mon visage de toi. Alors tu vas dire, alors tout ce qui que je fais, toutes ces mises autres que tu fais, les maasés, ne te permet pas de dire que tu es en kécher avec moi. Alors tu vas me dire, alors pourquoi je fais toutes ces mises autres? Ma matara, c'est quoi la matara? C'est la matara pour toi, c'est pour toi que tu fais ces mises autres. Attends, les familles, il y a des faux, un nombre de taille, il adopte un comportement dans la vie, qui est un comportement qui loue religieux. Parce qu'il veut être, il veut s'acquérir une bonne conscience, de dire, je ne suis pas en porte-à-faux avec Bolorolam. Alors il s'acquiert une bonne conscience. Il fait des gros dons avant Shoshana, avant Kippour. Il fait des trucs par là. Il veut qu'Aviachol être en accord avec les lois. Mais la Baya Bolorolam, il lui répond, Habibi, tu ne seras jamais en accord avec moi. Ce n'est pas avec ces misoires que tu vas être bien avec moi. Pour être bien avec moi, c'est la Shebet Benimot Torah. Et maintenant, l'homme est Torah, ce n'est pas Shaya. Alvayoti Azavu, le Torah Tishamaru. Vous abandonnez moi vous abandonnez. Quand il dit moi, c'est quoi moi? Mes misoites. Avatorati Shamal. Pourquoi? Chez Or Sheba Yarzirotrem les Moutav. Car la lumière qui est dans la Torah va vous ramener vers moi. Extraordinaire. C'est-à-dire que l'on parle d'un bonhomme qui fait les misoites. Et bon, l'homme, il ne dit pas sur les misoites avant de vous ramener vers moi. Par contre, il dit sur la Torah, où il va te ramener vers moi. Parce que la Torah, elle a du or. Qui nerf miswa, les Torah or. La miswa, c'est un nerf. Le Shlach Kadosh, il dit, tiens, des bonhommes, ils vont venir après ça maintenant là-haut. On va leur demander, ils vont demander, où est mon Olam Haba? La deuxième à gauche. La deuxième à droite, là-bas, vous tournez là-bas, là, c'est votre Olam Haba. Le bon, il arrive là, il rentre dans un hangar immense, mais obscur. Obscur. Il n'y a même pas une lumière. Et qu'est-ce qu'il voit dans le hangar? Plein de bougies. Plein de bougies, mais elles ne sont pas allumées. Il n'y en a même pas une qui est allumée. Alors il demande, mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a tellement de bougies et il n'y a même pas une allumée? Avec une allumée, j'allume les autres. Et non, parce que tu as fait beaucoup de misvot, mais tu n'as pas étudié la Torah. Qui nerf misvin, des Torah or. Les misvot, c'est des nerot. La seule chose qui te donne de la lumière, c'est la Torah. Que veut dire la lumière, la Torah? Parce que c'est un majage, je vous ai donné, ce n'est pas pour impliquer la Torah. C'est quoi la lumière, la Torah? Mazer or, chez Torah. Le or, chez Torah, rabotai, ce n'est pas l'or des lampions. Ce n'est pas ça, l'or de la Torah. L'or de la Torah, rabotai, c'est la chose qui te permet de vivre dans le aimer dans ce monde et de ne pas te laisser berner par le shéker. Parce que quand c'est qu'un homme se laisse berner à Boutaï, quand il est dans l'obscurité, il ne voit pas le poteau, il est en dedans. Alors qu'est-ce qu'on te dit? Ne marche pas dans une rue obscure. Ou bien prends-toi un panache, prends-toi un truc, une torche pour voir clair. La Torah te sert à voir clair dans ce monde. Ce Olam HaBotaï, Olam HaRochet, c'est le monde de l'obscurité. La seule chose qui peut te permettre de voir clair dans ce monde, c'est la Torah Kedosha. Un homme qui n'a pas de da'at. Une da'at le kanita, ma kanita. Tu n'as pas acheté le da'at, tu n'as pas le da'at Torah, ma kanita par Olam Hazeh. Tu dis, mais attends, mais j'ai plein de choses, moi je fais des misoches, j'ai des nianis, vous roulez. T'as le dekloum. Tu vas te faire rouler par le Sarah, il va t'embrouiller le Sarah. Mais pourquoi il peut t'embrouiller? Parce que tu n'as pas de da'at Torah. Tu n'as pas la Torah. La Torah, c'est la seule chose qu'Hachem il a dit, barati et sarara, barati l'autre Torah tavlin. J'ai créé le Sarah, j'ai créé la Torah tavlin. Quand je voulais, il n'a pas dit, j'ai créé les misoches. Il y a les misoires, les misoires sont là. Mais c'est la Torah qui t'aide à ne pas tomber dans les erreurs. C'est la Torah qui te permet de savoir faire les rechbonot, des bilboulim que les sarah essaient de te faire. Et qu'avec la Torah, tu le coins sur les sarah. Tu dis, c'est pas possible ce que tu dis. Et où on voit ça? Comme dit la commandante Brachot, Paksham et Louvalze, si ce voyou t'a rencontré, il est en train de te vendre quelque chose. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Moshre ou le Betamidrash? Amen au Betamidrash. Je te pose une question. Tu as déjà vu un Yitzhara qui ne rentre pas au Betamidrash? Quoi, le Betamidrash lui fait peur? Tu rigoles ou quoi? C'est la place centrale. S'il rentre quelque part, c'est là-bas. En vrai, c'est là-bas qu'on va faire répéter tout le Torah, il y a ni problème. C'est quoi le pshat à Moshe le Betamidrash? Moshe le Betamidrash, c'est-à-dire Tilma Torah. Tilma Torah, et tu vois comment il va se sauver. Pourquoi? Parce qu'avec ta Torah, il va tout de suite comprendre qu'il ne va pas faire un bleu, il ne va pas faire un malade mental, il ne va pas faire un mchougar qui peut lui faire ce qu'il veut. À la Makom, tu vas savoir l'éjecter, tu vas savoir le mettre dehors. C'est ça le pshat Rabotai, comme il expliquait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il explique, Machal et Mahadavar Domé, à quoi ça ressemble? Ça ressemble au renard qui est venu au bord du fleuve.
Et le renard, il a vu les poissons dans le fleuve en train de sauter, en train de chercher à manger. Il leur a dit aux poissons, « Dagim, dagim, tavola yabasha, vani et farnes au trem, venez sur la serre sèche, et moi je serai doeg de votre parnassa. » Comme ça, le renard, il leur dit aux poissons. Alors les poissons, ils le regardent au renard. Ils disent, « Ata, ata shoal, shumrim alecha, shata piker sheba hayot. » C'est toi le shoal qu'on dit sur toi, que tu es intelligent parmi les hayot. On n'a jamais vu un hamar pareil. Un hamar pareil, on n'a jamais vu, ils lui disent le poisson. Il dit, si déjà dans l'eau, on ne s'en sort pas, kol sheken que bayabasha, on ne va pas s'en sortir. C'est ce qu'il faut lui dire, voyez ça, à Boutaï. Si déjà avec la Torah, on ne s'en sort pas, kalvachomer que sans Torah, on ne va pas s'en sortir, à Boutaï. Parce que la Torah, elle est comparée à l'eau. C'est ça, à Boutaï. La Torah, c'est la chose qui est censée t'aider à t'en sortir dans la vie. Et comme ça, c'est difficile. Parce que kalvachomer, ce n'est pas Torah. Et c'est ce qu'Hachim va demander après 120 ans à l'homme. Il va demander à l'homme après 120 ans, Aïm kavata itim la Torah, Aïm la mata Torah, est-ce que tu as étudié la Torah? Comme ça, il va demander à l'homme. Et c'est ça, le Khatam Sofer, il pose une kusha atsuma. Il demande, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux lui demander à Hachem? Qu'est-ce que tu cherches? Tu as un problème par rapport à la misa de l'Imbo Torah? Et là-bas, il répond, non. Je pose des questions, s'il a étudié la Torah, hein, parce qu'en fait, ce bonhomme, c'est un rachat. Il est mahal Shabbat, il mange taref, il se marie avec une goya, il parle la shonara, il fait des chouyotes. On ne comprend pas, il demande à Khatam Sofer. Si c'est comme ça, pose-lui la question qu'il faut. Pose-lui directement la question. Pourquoi tu n'as pas fait les misoles? Pourquoi tu rachats? Pourquoi tu poses la question d'une manière détournée? La mata sholoto besora kifin. Tu noies la question. Kamal la mata Torah. Tu parles de qui? Tu parles d'un gangster. Un gangster, un bandit, ouais, qui était à Paris, c'était le chef de la mafia. Il violait tout ce qui bougeait. Il tuait tout ce qui bougeait. Il volait tout ce qui bougeait. Un bandit. Ce bandit, il vient après 120 ans là-haut. Ouais. C'est le chef des bandits. C'est un bandit. Crainte là-haut, quand ils l'ont vu s'approcher, ils ont tous pris peur là-haut. Ouais. Il y a que bon, là, Roland, qui n'a pas peur des gens. Il a dit, viens ici, toi. Il dit, pourquoi tu n'étudies pas la Torah? Est-ce que tu peux dire ça à un bonhomme pareil? Demain, tu attrapes un voyou dans la rue. C'est le chef des voyous. Tu lui dis, la mata l'olomé Torah. Mais c'est pas ça la Torah qu'il faut lui faire. Il faut lui dire, pourquoi tu es méchant? Pourquoi tu es rat? Pourquoi le monde y souffre de toi? Pourquoi tu violes les femmes? Pourquoi tu voles les gens? Pourquoi tu fais des choses pareilles? Voilà la Torah qu'il faut lui faire. Ça, il comprend. Quand tu lui dis ça, il comprend ce que tu veux. Il comprend que tu es en train de lui mettre une tarte par rapport aux choses qu'il est en train de faire. Parce que lui, il sait très bien qu'il a, c'est là-bas qu'il a un problème. Mais lui, il n'est plus du tout dans le Limud Torah. Limud Torah mande kashmir, Bichlal. Alva, lui-même, il te dit, Alva, que ce soit mon problème. Il vient après 120 ans, tu dis la mal ou la mata Torah, mais il est heureux quand on lui pose cette question. Pourquoi? Parce qu'il va dire, ben voilà, c'est ça qu'on me reproche. En fait, on ne me reproche pas pourquoi je n'ai pas volé. On ne me reproche pas pourquoi j'ai tué, pourquoi j'ai violé, pourquoi j'ai fait ça. On me reproche simplement pourquoi je n'ai pas tué la Torah. Ouais, ils sont bien là-haut. Ils sont mieux qu'en bas. On voit au camp pénal, là-bas, ils te coupent la tête là-bas. Mais on m'a dit que c'est très dur là-haut. Mais en fin de compte, c'est pas dur. C'est magnifique, c'est l'Amérique. Bon, je vais leur raconter une banane et c'est fini. Quoi, je ne suis pas tué à toi. Voilà, j'ai 10 000 excuses pour le répondre. C'est facile à répondre, ça. Par contre, ils m'auraient demandé pourquoi je vole, pourquoi je viole. Oh, là, j'aurais été embêté. Là, j'aurais été embêté parce que là, je suis vraiment méchant. Je suis un méchant, et moi, ça, je suis un méchant, et je reconnais que je suis un méchant. Mais ça, j'ai dit ça, ils m'auraient embêté avec. Mais là, en me posant cette question, hein, je rigole, quoi. Ils m'ont ouvert la porte pour leur faire une pirouette. Ils demandent le Rabam Zofer. Comment ça se fait qu'Hachem? Mais Yom Adin, c'est ça la question qu'il pose. Il répond une réponse à Tsuma, le Khatam Sofer. Parce qu'il dit là-bas hein, que la question qu'il te pose, c'est la raison pourquoi tu étais rachat. Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Qu'à cause de ça, tu es devenu rachat. Je ne te pose pas la question pourquoi tu es rachat, parce que ça c'est évident, c'est pshita. Tu ne pouvais pas être autre chose que rachat. On ne peut pas te poser une question sur une chose qui est pshita. Parce que si on lui pose la question, qu'est-ce qu'il va dire? Ben, vous saviez très bien que c'est ce que je savais faire. Donc c'est pshita ça. Par contre, la seule que je peux te demander, où est-ce que je peux te coincer, c'est quand je dis la mal ou la mata Torah. Parce que même si le Bologne va me raconter qu'il était à nous, à Valima Torah, tu n'aurais pas été à nous. Avec la Torah, tu aurais été capable de surmonter le Yessara, même s'il était très grand chez toi. Et c'est pour ça que là-bas, c'est marqué que le Bologne, quand il va venir Beyomadin, et quand il va dire, on va lui demander la question, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah hein? Alors là-bas, il va croire qu'il peut répondre. Alors, il va répondre par exemple, j'avais pas d'argent, j'étais obligé de me débrouiller, et j'étais obligé de faire des magouilles pour nourrir ma femme et mes enfants.
parce que sans magouille. Pour la Hollande, tu sais très bien que dans cette société, dans ce monde aujourd'hui, avec la conjoncture actuelle, du problème de la bourse et des problèmes de l'inflation, on ne peut pas travailler honnêtement. Impossible. Si je suis honnête, je suis droit, je suis achat, je suis condamné à vivre dans la pauvreté. Pour vivre d'une manière riche, il faut les magouilles. Et d'ailleurs, pour la Hollande, je n'ai pas besoin de te faire un film, tu sais très bien ce qui se passe. Parce que toi, tu sais tout ce qui se passe. Tu sais très bien que les bonhommes qui ont réussi dans ce monde, c'est ceux qui ont fait des magouilles. Ceux qui n'ont pas fait de magouilles, ouais, ben ils sont encore là-bas en train de faire la manche. Parce qu'ils veulent être honnêtes, mais ils ne peuvent pas avancer comme ça. Il faut faire des magouilles. Donc ce n'était pas possible. Tu m'as fait pauvre, c'est toi qui as un problème, Hachem. C'est à cause de toi que je n'ai pas tué à toi. Bon, alors là, il vient tout de suite, il lui montre. Il met une diapositive là-bas. Parce que là-bas, il y a grand écran. Il lui montre qu'il est là, Zaké. Je dis, ouais. Qui est celui-là? C'est un grand rabbin. Ouais, je vois, bien sûr. Mais comment il s'appelle? Hillel. Ah, c'est lui, Hillel. Waouh, j'ai entendu parler de lui, ouais. Ouais, j'ai entendu un peu comme ça. Des fois, le rabbin, il parlait d'Hillel. Ah, c'est lui, Hillel. Alors, qu'est-ce que vous voulez que... Qu'est-ce que je vois là? Regarde bien. Et là-bas, on veut lui montrer comment Hillel, le jour où il avait une seule pièce. Parce qu'il fallait deux pièces. Une qui donnait à sa femme pour qu'elle se nourrisse, et une pour pouvoir rentrer au Beit HaMidrash et payer l'étude. Parce qu'avant, on ne payait pas l'avrerie. Avant, c'était lui qui payait. Il fallait payer pour étudier la Torah. Donc, il veut le portier là-bas, avec l'arçon, avec le bâton. Si tu veux rentrer sans payer, donc il faut payer pour rentrer. Mais ce jour-là, il n'avait qu'une pièce. Il n'a pu pas avoir deux pièces. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la pièce à sa femme pour qu'elle mange. Et lui, il est parti au Beit HaMidrash. Et comme il a vu qu'il ne pouvait pas rentrer, il est monté sur le toit. Et là-bas, il y avait une lucarne. Il s'est mis sur la lucarne pour écouter les divrei Torah. Et c'était en plein mois de Tevet, plein mois d'hiver. Mois de Tevet, il tombe la neige en Israël. Et la neige, elle a commencé à tomber. Elle a enseveli complètement. Il s'est congelé là-bas sur la lucarne. Et en bas, tout de suite, ils ont dit, ça y est, Giyazman Shikashema, c'est la revite, il faut faire la revite. Et les gens, après, les gens, ils sont venus de l'extérieur, ils disent, mais qu'est-ce que vous faites? Ben, on se prépare pour faire la revite. Mais il fait grand jour dehors. Il dit, quoi? Ils sont sortis, ils ont vu qu'il fait grand jour. Ils disent, comment c'est qu'il n'y a plus de lumière ici? Ils lèvent la tête, qu'ils y voient. Ils voient la tête de Hillel comme c'est écrasé sur le pare-brise, sur la lucarne. Comme c'est écrasé avec la neige sur lui. Ils montent à la macombe, tant, qu'ils le sont là-bas, ils le descendent. Ils disent, Hillel, à quel écart? Il dit, quel? Pour la Torah, il faut se tuer. Adam qui a mout de Béorel. Il n'y a pas de quoi manger. Quand midi arrivait, il allait trouver un petit travail intérimaire. Il levait des cartons à bouteille dans une boîte de déménagement. Il levait 2-3 cartons. On lui donnait 10 shekels. Il achetait un fer à faire. Il mangeait. Il attaquait le céder. Après le repas suivant, il arrivait. Il allait faire intérimaire dans quelque chose. Dans un garage, il avait les pare-brises. Comme ça, on lui donnait 10 shekels. Il allait chez manger un fer à faire. Il continue son dieu. On lui montre, on se dit, voilà, tu étais plus pauvre que Hillel. Hillel, il a fait des magots. Hillel, il n'a pas tué la Torah. Il n'a pas fait ça. Allez, au Guinan. Après, il vient le suivant. Pourquoi tu n'as pas tué la Torah? Lui, c'est un tombeur, lui. C'est un tombeur. Alors, tout de suite, il a dit à Bolor Lam. Alors, Bolor Lam, tu sais très bien, tiens, j'ai un problème. C'est quoi ton problème? Tu m'as fait beau gosse. Je suis un beau gosse. Il fallait faire moche. Il fallait faire un défait de patate. Ouais. Des oreilles fait le chou-fleur comme ça, comme disaient les enfants. Et un peu relève comme ça. Et voilà. L'affaire est lotée, close. Des gens comme ça, ils s'assoient au Beit HaMidrash. En général, c'est la vraie crise. Mais moi, je ne peux pas, moi. Je suis un beau gosse. Le gosse, il ne peut pas devenir la vraie. Ça ne va pas avec. C'est pas le problème de casting. Donc, il faut. Chaque chose a sa place. Bon, alors là, je ne vais pas t'expliquer quand même. C'est ton monde, c'est pas mon monde. C'est toi qui l'as créé comme ça sur moi. Tu m'as fait un beau gosse. Vrai que je mange dans la rue, les femmes, elles deviennent folles, elles poussent des cris. Ah, il faut une idole. Combien je peux? Combien un homme il peut tenir? Pas comme moi, je vais les chercher. Quand elles courent derrière moi, je rentre dans une piscine, les belles. Ah, je vais partout où je vais. Je rentre carrefour, faire mes cours, j'ai rien fait. Je rentre avec là, elles sont sautées quatre dans la poussette. Qu'est-ce que je fais? Où je vais aller comme ça? Il faut aller en l'air. Bon, alors là, c'est ta faute. Tu m'as fait beau gosse, c'est ta faute. Bon, alors là, il me dit, ok. À nouveau, grand écran. Qu'est-ce qu'il lui montre dans le grand écran? Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik. Quand il voit Yosef, il dit, ah, j'étais pas si beau que ça. Il se rend compte que Yosef, c'était la beauté. Mais c'était la perfection dans les traits. C'est au pied à coulisses. C'est beau là, il a taillé dans le diamant. Il a été taillé dans le diamant, Yosef. Et après, le moule, il a cassé. C'est-à-dire, c'est une pièce unique.
pièce unique, Yosef. À Kedeka, que même la femme de Poutifar, quand les Égyptiennes sont moquées d'elle, dit, mais tu es devenue folle. Tu es tombée amoureuse d'un saint juif, d'un Eved. Tu es folle ou quoi? Tu es une reine ici. Elle leur a dit, si rien que vous le voyez, vous allez comprendre. Et après, elles l'ont vu, quand il est devenu. On dit qu'elle s'épluchait les mains. Elle s'épluchait la pomme de terre, elle s'épluchait en même temps les mains. Tellement qu'elle voyait une beauté devant. C'est-à-dire, c'était d'une beauté mais inimaginable. Alors il lui dit au bonhomme, tu as vu la beauté ici? Regarde, maintenant on va te montrer les épreuves qu'il a eues. Et là, on lui montre l'épreuve avec la femme de Poutifar. Comme elle rendait fou. Elle rendait fou pour que tu puisses aller avec elle. Et jusqu'à qui s'est sauvé, il n'a rien fait. Il dit, tu as fait ça? La Torah. Grâce à la Torah, il a pu faire ça. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? La Torah a appris ça, la Torah. Guilhem. Maintenant, le suivant. Le suivant, il vient. Il dit, toi, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Où tu étais? Il dit, moi j'ai un autre problème. Et c'est quoi ton problème? Mais elle fait trop riche. Trop d'oseille. Trop de pognon. Faut gérer. Quel argent il faut gérer? Des banques, des nianis, des relais. J'avais des affaires à plus en finir. J'étais une des plus grosses fortunes du monde. Les belles. Et les rabbins, ils sont en train de faire le défilé. Et l'ordre là-bas, et l'ordre là-bas, et l'ordre là-bas. Et les gestions, et les nianis, et les rencontres avec Trump, avec Donald, le canard là-bas, et là-bas, et là-bas. Où je vais aller comme ça? Il fallait quand même un peu pitié pour moi. Tu n'étais pas obligé de me donner autant. Un peu moins, ça aurait été bien. Moi, j'ai pas besoin de. D'ailleurs, j'ai même pas tout dépensé. Le rov, il est encore dans la banque là-bas, en bas. On a tout laissé en bas. Voilà. Alors là, on me dit ok. Schlac, on t'écran. On te montre là-bas, tous tout le temps encore. Qui c'est qu'on lui montre? Rabbi Lazar ben Chamois. Que lui, c'était un bonhomme en bouteille. C'est marqué dans la Gemara qu'il était tellement riche. La Gemara a dit. Même si tu prends tous les arbres de l'Amazonie et tu les transformes en koulmous, c'est-à-dire plus d'écrivain, et tu prends tous les eaux des océans Pacifiques et tu les transformes en encre, ouais, il n'y aura pas assez de koulmous et assez d'encre pour écrire les fortunes qu'il avait. Vous vous rendez compte d'abord? Il était toute la journée au Beit HaMidrash. Qu'est-ce qu'il mangeait? Des carottes comme lapin là. Un jour, il vient un pauvre Beit HaMidrash, il demande l'aumône. Il demande l'aumône pour avoir de quoi manger Shabbat. Alors il vient chacun, il vient vers lui. Il dit, parce qu'il y avait le chômage là-bas, il le voit comme ça. Stoko. Comme s'il le regarde. Alors tu dis, j'ai rien. Il en a marre ces mythos-là. On m'a dit que tu as l'argent. Il dit, oui, j'ai, mais j'ai rien sur moi. Comment tu as rien sur toi? Tu vis comme un lit? Je suis encore plus pauvre que toi. Je vis au jour le jour, je ne sais même pas. Alors il dit, bon, mais d'accord, mais fais quelque chose pour moi. Il dit, d'accord, tu as raison. Allez, il s'est levé, il a fermé la Gemara, il a pris tout, il dit, ce chien, il est à moi. Je me rappelle, moi, c'est celui-là. C'est sur les autres, j'ai un safek, mais celui-là, oui, c'est celui-là, c'est à moi. Il se rappelait que c'était à lui. On dit, alors il dit, bon, viens avec moi. Alors, il rentre dans le champ, alors, il dit, prends un sac et commence à remplir. Prends ça. Pitom, il vient le chômeur, il les voit les deux. Yakanavim! Maintenant, il ne connaît pas Bilazal, il ne sait pas que c'est lui, il ne sait pas que c'est le patron. Il a esquinté, il est sorti de là-bas, fait la tête, fait un pontillon, les yeux, il les a éclatés. L'autre, il dit, la harami, c'est ça les rabbins, hein? Tu voles pour me donner la zdaka, tu n'as pas honte à ta lumi de bayesh, comme ça lui dit. C'est ça la zdaka, que j'ai besoin de faire des choses pareilles, que j'ai gagné avec toi. Je ne suis même pas sorti avec une pomme, je suis sorti avec une tête éclatée avec toi, qu'est-ce que j'ai gagné avec toi? Alors, il a dit, non, Bémet, c'est mon champ. Seulement, j'étudie la Torah, et puis, bon, comme ça, il y a quelqu'un d'autre. Donc, il n'a même pas cru. Il n'a même pas cru tellement que c'est impossible de croire une chose pareille. Et pourtant, c'est vrai. Alors, il dit à l'autre, tu es riche comme lui? Quand il voit ça, il dit, c'est un gérable, ça. Regarde, il est assis au Beit HaMidrash. Yoshev Elomed. Parce qu'il a compris que la matara, pour ne pas tomber dans le piège d'une Sarah, c'est d'être à la Torah. D'être avec la Torah. Et tout le reste, c'est du bluff. C'est du bluff pour te détourner du Emet. Il demande à Ravon Kotler. Comment c'est possible, en bouteille, qu'on puisse condamner des gens, soit le tombeur de filles, soit le milliardaire, soit le Hani là-bas qui n'a pas étudié? Comment tu peux condamner des gens, en bouteille, en l'an 2023, notre époque, hein, avec des histoires pareilles? Parce que cette histoire, en bouteille, elle est nitrite, elle est éternelle. Et on condamne ces gens-là encore aujourd'hui avec ça. Un bonhomme, il arrive aujourd'hui, en bouteille. Un tombeur. Ça, c'est bien l'époque de la Gemara. Mais un bonhomme qui vient aujourd'hui, tu vas lui dire Hillel, tu vas lui dire Yosef, tu vas lui dire Abi Nézer.
Mais ça va pas, mais c'est décalé. On n'est plus à la même époque. On n'est plus dans les mêmes conjonctures, dans les trucs de Mamianim. C'est plus la même chose. Le monde, il a changé. C'est plus la même chose. Mais ça, c'est plus le même. Comment c'est possible une chose pareille à l'autre? Il te répond avant de compter la rabotin et de chatsum. Il dit à Torah initrit. La Torah, elle est éternelle. C'est la même Torah. Le Yetzara, c'est le même Yetzara. Rien n'a changé. Ça raconte, c'est des décors différents. Et le Yetzara, avec ça, il arrive à t'embrouiller. Et te faire croire, Yahiridata Dorot, les générations elles ont baissé, c'est plus la même chose. On peut plus faire la même chose qu'avant. On peut plus être sadique comme avant. On peut plus continuer à avoir Yirat Shamayim comme avant. On peut plus travailler comme avant. Donc, mais maintenant il faut changer. Il faut changer de crèmerie, il faut changer de derrière, il faut changer de choses. Et mais maintenant tu te fais avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait rien n'a changé. Rien n'a changé la bouteille. C'est le théâtre des guignols. Vous avez vu le théâtre comment ça marche? Il change le décor derrière. Tiens, ah, je suis en montagne. Ah, je suis à la mer. Maintenant, je suis dans le désert. Et maintenant, je suis à la mer. Et là, je suis dans le désert. Et là, je suis dans le bateau. Roulé. Mais tu es dans le même truc. C'est la même scène. Il n'y a rien. Mais qui m'aide à comprendre ça? Qui m'aide à comprendre qu'on est dans la même conjoncture, on est dans le même signe, dans le même système? C'est la Torah qui m'aide à comprendre ça. Sans la Torah, c'est impossible. Je me perds là-dedans. Je arrive à la mascarade de Dieu que le monde, il a changé. Et l'homme, il a changé. Et le système, il a changé. Et le salaire, il a changé. Et tout a changé. Donc on doit tout changer. Même la Torah, on va la changer. C'est pour ça qu'ils veulent, ils veulent tout changer. Pourquoi? Parce que c'est plus adapté. On ne peut pas continuer à avancer avec un truc pareil. C'est faux. Mais comment je sais que c'est faux? Étudie, tu verras que c'est faux. Acte mad. Sans étudier, tu ne sauras jamais que c'est faux. Au contraire, tu amèneras toutes les preuves du monde que c'est faux. Mais en étudiant, tu vas te rendre compte de quoi? Que c'est toujours la même chose. C'est toujours le même combat, toujours le même Ezra, toujours le même bluff, toujours les mêmes Sipurim, toujours les mêmes débats, toujours les mêmes Shtuyot, toujours pareil. Grâce à la Torah, tu te rends compte de ça. Shum Davar, rien, Shum Davar Loishtana. C'est la même chose, Rabibi. C'est la même glace. Après, il en perd en verte, et après en bleu, et après en Eskimo, et après en bricolore, et après Damka, je sais pas quoi. Mais c'est la même chose. C'est le même yaourt. Ça, ils ont changé le pot 10 000 fois pour te montrer, ça mec, qu'on a évolué. Mais c'est quoi? C'est un yaourt. La patate, c'est la même patate. C'est moi qui l'ai fait en robe de chambre avec Mimosa. Ah, t'as l'impression que t'as donné un truc, les belles. Bon, ils vont au resto. Il faut bien qu'ils comprennent pourquoi il a payé une blinde. Ouais, parce que sinon, il va s'étouffer là-bas avec la patate. On va lui servir la même patate qu'on sert à la cantine. Ouais, au plat populaire. On va te la servir avec la classe. Avec des feuilles de persil qui montent comme ça. Et un lilas qui descend. Et une fontaine qui vient à côté. La belle, tous ces trucs comme ça. Et quand tu vas manger la patate, tu vois, wow, quel repas! C'est la gastronomie! Tu vois, c'est Michelin, 6 étoiles. Mais ça m'a coûté un bras. Ah, je t'assure, un repas là-bas, c'est 3000 euros. Mais ça les vaut. Ça les vaut, parce que c'est une pomme de terre que tu manges. C'est pas une pomme de terre normale, c'est une pomme de terre spéciale. Tu ressens Torah Rabotai, les belles qu'ils font aux gens, les chigaons qui lui font un bon rabotation Torah, c'est le même problème, c'est le même mignon. Ton ventre il s'est rempli de la même manière, qu'il se remplit avec du pain, ou avec des entrecôtes, ou avec des patates, ou avec des chips flots d'or, ou avec des tomates. Au bout d'un moment, il est plein le ventre. Marpat les rabbis quand tu l'as rempli, pas de vamela Torah, non, ah non, ah non, moi je peux pas une vie comme ça, moi il me faut un minimum. Mais ce minimum, il va te coûter cher. Qu'est-ce qui va te coûter? Eh ben, il faut la carrière, il faut les études, il faut les nianim. Pourquoi? Parce qu'il me faut tant pas pour avoir ce bluff-là. Ce bluff, il me coûte de l'argent. Donc ce bluff, il faut de l'argent. Et donc tu vas faire des études pour ça. Tu vas faire 10 ans d'études pour pouvoir avoir un salaire qui te paye ton bluff. Mais c'est du bluff. Parce que quand tu dors, tu dors. Tu te rends pas compte où tu dors. Je peux te reprendre en plein milieu de la nuit, je te mettre en plein désert. Tu t'es même pas rendu compte. Mais monsieur, il dort sur un matelas Louis XIV. Comme c'est dit à raconter la horreur là-bas. Et il a payé pour ça, Habibi, 10 000 euros le matelas. Parce qu'on lui a dit, c'est un Louis XIV. Ou un costume, c'est un costume Hugo Boss. C'est un costume Hugo Label. Et donc le bonhomme, il a payé pour ça, à Botaï, 5 000 euros. Comme une fois, il me les chiva avec un jean comme ça, un petit jean comme ça. J'ai dit, moi, c'est tout au début, quand il y avait 7 mois, je ne connaissais pas, moi, ça encore. Je lui ai dit, il déchirait ton pantalon, jette-le. Il s'est éclaté de rire. Il me dit, pourquoi tu rigoles? Tu te moques de moi, là? Je suis tard, toi. Excusez-moi, je vous ai manqué de respect, Godrav. Non, pas du tout, j'ai rigolé parce que j'étais sûr que vous faisiez une blague. Quelle blague? Moi, je blague pas, tu as compris? Moi, jamais je blague. Donc, si je te dis, c'est que c'est sérieux. Non, mais vous savez pas? Je sais pas quoi.
Mais ce n'est pas qu'un pantalon comme ça, oui. Ça vaut, c'est à l'époque, je parle. Hein. C'est sur 3000 euros, tu rigoles. C'est une grosse marque, c'est Diesel, tu me l'as raconté. C'est ça. Marc Diesel, elle est belle. Et Diesel, quelle marque Diesel? Il t'a pris un pantalon, le fou, là-bas. Il l'a mis là-bas. Il a fait disparaître, il a fait la couleur, je ne sais pas comment il a fait. Il a pris un rasoir. Il est en train de s'éclater de rire quand il fait ça. Et après, il se met ça sur le chou, qu'il y a des pauvres types comme toi qui travaillent des heures supplémentaires pour se payer un pantalon pareil. Regarde combien de Torah tu as brûlé pour ça. Combien de temps tu as tué pour ça. Combien de ch'touillot tu as comme ça. Comme une fois, le Hafez Raïm, il est venu chez un bonhomme qui doit faire un don pour Adin. Et il lui fait visiter sa maison. Il lui monte les tentures, il lui monte les tapis, il lui monte les tapisseries, il lui monte tout. Le Hafez Raïm, il regarde comme ça. Et l'autre, il était content. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, tu vois, c'est un connaisseur. Il apprécie. C'est parce que c'est le Hafez Raïm, c'est pas la rigolade. Tu vois le Hafez Raïm comme ça, tu es en train de méditer, genre il regarde, ça veut dire ça. Quand tu vois un bonhomme comme ça, tu dis, il apprécie. Il faudra, dites-moi votre appréciation. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez, parce que je vois que vous arrêtez. Il dit, oui, je vais te dire. Je ne savais pas qu'on tapissait les murs avec des tapis de Gemara. Quand c'est lui. Il regarde, il dit, vous voyez des tapis de Gemara ici? Mais c'est pas des tapis de Gemara, vous rigolez ou quoi? Une tapisserie comme ça, mais ça vaut une blinde. Il a fallu amener des artisans italiens. Ouais, de la Gaule. Non, pas les Gaules, excusez-moi, c'est les Romains. Ouais. Un artisan italien qui sont spécialisés, c'est du avodat yad, c'est tressé à la main. Ça prend des heures entières pour faire un mètre. Et ça, je l'ai mis ici, vous me dites que c'est d'apim de Gemara. Il dit, tu n'as pas compris. Combien de d'apim de Gemara tu as brûlé pour pouvoir payer des tapisseries pareilles? Combien de temps tu as pris pour ça? Combien cette vie te coûte cher? Combien ce niveau de vie te demande des sacrifices pour ne pouvoir te payer tout ça? Alors que ce monde, il est écrit pour quoi? Pour la Torah! Pour ça, il est écrit ce monde. Et c'est ça qu'il faut savoir à Boutaille. C'est pas exclu. C'est pas exclu que dans la vie, si tu as de l'argent, tu as du business, tant mieux pour toi. Au contraire, c'est un kiddush Hashem à Boutaille. C'est un kiddush Hashem de voir un bonhomme riche, bien installé, dans une belle maison. Et tu le vois assis, Yoshevelometora. Ça, c'est quelque chose, Rabbi. Ça vaut quelque chose. Comme le patron avant tout. Le patron avant tout, Rabotai, qui avait son bureau derrière le magasin de fourrure en Amérique. Et là-bas, il faisait venir Rabotai les plus grands tueurs de l'imout Gemara qu'il y avait en Amérique. C'est avec eux qu'il avait le Havlutot, il leur payait une blinde. Il venait comme ça, il avait le Havlutot avec eux. Et il avait donné une consigne à sa femme, qui avait les fourrures. Je te préviens, ma femme. Ma femme chérie, quand je suis avec ma Havruta, je suis mort. Tu sais ce que ça veut dire, mort? Adam Kiamut Beruel. Mort, c'est-à-dire, tu m'as enterré la semaine dernière. Voilà, tu as fini les Shiva, et voilà, maintenant, tu as repris le travail. Maintenant, ils vont dire, quoi, vraiment? Il est mort, ça y est. Il est mort et enterré, il n'y a plus rien à faire avec lui, c'est avec moi qu'il faut traiter. Comme ça, il faut dire. Mais mon mari, mais j'ai le dimion, il n'y a pas de dimion. C'est comme ça qu'il faut parler avec le Yitzhara. Parce que si le Yitzhara, tu commences à te mettre des gants, il va t'avaler. Donc tu y vas, allez-vous. Bon, ok, d'accord. Il rentre un client. Il vient à l'Eben pour faire une commande. Mais une commande, Habibi, il est refait le bonhomme. Alors là, il dit, attends, j'ai pas prévu ça, moi. Mais une commande pareille. Mais mon mari, il va pouvoir étudier plus. Et c'est vrai comme il s'est travaillé. Il va pouvoir étudier plus. Donc, si je suis une femme virtueuse et chez Trahil, je dois me soucier de ça et de lui donner cette chance et pas dire qu'il est mort. Il est vivant. Et je vais le chercher tout de suite. Pourquoi? Pour faire l'affaire du siècle. Parce qu'avec ça, si mon mari aujourd'hui il arrive à étudier 4 heures, mais avec ça il va étudier 8 heures. C'était une grosse somme, une commande level. Donc elle vient. La vraie rire, regarde. Et lui, plutôt, il devient pâle. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes comme ça? Tu n'as pas entendu? On a frappé. Ça va, vous répondez ou vous ne répondez pas, vous ne répondez pas. Il dit, j'ai rien compris. Je suis mort. Et alors? C'est qu'on veut me ressusciter. Si on veut me ressusciter, c'est quelque chose de grave. Tu as compris ou pas? Oui, j'ai compris. Bon, j'ai envie de prendre votre place. Bon, écoute, je suis nerveux.
Donc il s'est préparé au pire. Il s'est préparé au pire, le bonhomme. Parce que pour lui, il était persuadé que quelque chose de catastrophique est arrivé. Parce que c'est impossible, je suis mort. Donc on vient pas taper à la tombe de quelqu'un qui est mort. Oh, Léon ! Ouais, j'ai oublié, là, avant que tu es parti, il y avait un problème, il y a une facture qui n'a pas été payée. Léon, tu l'oublies, ça y est. Comment la facture ? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ? Donc c'est bien comme ça, c'est qu'il y a un problème. Elle ouvre la porte doucement, la porte. Il la regarde. Il a peur, il est pâle. Ça va, tout va bien, tout va bien. Dit, non, attends, notre solution n'est pas pour mon mari. Tout va bien. Et là, d'un coup, il change de visage. D'un coup, il tombe. Si tout va bien, alors pourquoi tu es bien ? Il dit, non, il y a un client. Qu'est-ce que tu as dit ? Il y a un client. Il y a un client, il vient pour une commande de tons d'argent. Tu es refait, mon mari. C'est 8 heures d'études. Ma chérie, je vais t'expliquer une chose. Quand je t'ai dit je suis mort, je suis mort. Donc tu vas aller voir le client. Et ce client, sache une chose, c'est le Satan. D'accord ? Tu vas lui dire, mon mari, il est mort. Et enterré, ouais, on ne peut pas le déranger. Il marque. Elle dit, quoi ? À ce point-là, mon mari ? Mais bien sûr qu'à ce point-là. Le Tzara, tu ne sais pas ce qu'il est capable de faire pour sortir quelqu'un de son étude. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, c'est autre chose. Il apprend autre chose. Il sait très bien combien je me tue pour cette étude. Et combien je donne de mes corps pour ça. C'est un bonhomme en bouteille qui travaillait. C'est un balabaïte. Regardez quel kidouche Hachem. Ça, c'est du sah. Ça, c'est beau. Ça, c'est du sah. Bon, tu vois comme ça, il a son affaire, il a son business. Aval Torah, c'est Torah. On rigole pas avec la Torah. Pourquoi ? Parce qu'il y a Anori Aster, Aster Panay. Je me voile mon visage de toi. Sans Torah, tu es mort. Tu peux rien faire dans ce monde. Et ça, il est plus fort que toi. C'est que la Torah qui peut te donner le corps de voir clair et de savoir si on tourne à droite ou à gauche, si on écoute ou on n'écoute pas, si on avance ou on arrête. Rien que la Torah peut t'aider. Sans Torah, tu peux rien. Tu peux faire des misos du matin au soir, tu peux prier du matin au soir, tu peux faire de la Kabbalah, tu peux faire des Tehillim, tu peux faire des ce que tu veux. Le Hazor, Rak Torah, rien que la Torah te donne le Da'at de savoir différencier entre le vrai et le faux, de savoir le Derech HaEmet. Je vais vous dire, il y a un peu de temps, 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 il y a un pe